bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous désirez mincir. Le surpoids, c'est l'une des principales causes d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Donc l'amincissement, outre les effets esthétiques, est un véritable enjeu de notre société moderne. Pas faire de régime contraignant ou de régime basse calorie. Et là, je vais aller un peu à l'encontre de nombreux nutritionnistes, peut-être du vôtre d'ailleurs, qui vous demandent de diminuer votre consommation de tel ou tel aliment et surtout de compter les calories. Alors pourquoi ça sert à rien? La première raison, c'est que vous ne pourrez pas tenir un tel régime sur le long terme, car vous allez être en situation régulière de sous-alimentation et vous aurez régulièrement faim. Bien sûr, on peut tromper l'estomac qui crie famine avec un grand verre d'eau, mais ça ne peut pas durer sur le long terme. En plus, c'est souvent contraignant, car il faut peser les aliments, prendre la calculatrice avant de préparer le repas. Ça, c'est pas une vie. La deuxième raison, c'est que quand vous allez arrêter le régime, car la question, c'est pas de savoir si vous allez arrêter, mais combien de temps vous allez tenir à ce rythme-là, eh bien, vous allez reprendre du poids. C'est automatique, car c'est un phénomène physiologique qui vient de votre cerveau. Si vous diminuez votre ration alimentaire, le cerveau, dans sa grande sagesse, va le comprendre. Il va appliquer ce qu'on pourrait appeler un instinct de survie. Donc il va réguler, il va adapter votre métabolisme à vos nouvelles conditions d'alimentation. Il va s'habituer à faire la même chose avec moins de calories. Et il sera même à la limite capable de stocker un peu de graisse en anticipant une diminution encore plus importante de la ration alimentaire. Donc au départ, c'est certain que vous allez perdre du poids, mais ça ne va pas durer longtemps et vous allez vous apercevoir que malgré le fait que vous continuiez à faire des efforts, ça ne va pas toujours être agréable, vous ne perdrez pas plus de poids, en tout cas pas ce que vous auriez voulu perdre. Enfin, la troisième raison, et c'est peut-être la plus importante, c'est que quand vous allez arrêter votre régime hypocalorique, votre corps qui est habitué à faire la même chose avec moins de calories et qui, je vous le rappelle, se sent en période de pénurie alimentaire, va se dire « chouette, j'ai un peu plus à manger, on ne sait jamais, principe de précaution, je vais faire des réserves ». Et là, vous allez reprendre tout ce que vous avez perdu au prix d'efforts coûteux. C'est prouvé, les personnes qui ont fait un régime basse calorie ont presque toutes repris leurs kilos au bout de 6 mois à 1 an et beaucoup ont regrossi en plus. Ah, j'oubliais, la cerise sur le gâteau. Pendant que votre régime, au début, vous allez perdre de la graisse, mais aussi des muscles. Donc, quand vous allez arrêter, votre corps sera moins musclé, donc moins consommateur de calories, d'énergie, et ce sera encore plus dur de ne pas regrossir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions. Et ces solutions, elles consistent, par exemple, à manger un peu différemment, dans des aliments, ou dans la façon de les préparer et de les consommer. Mais l'idée à retenir, c'est qu'il ne faut pas affamer son corps, car notre cerveau sait très bien gérer la pénurie. C'est d'ailleurs ce que devaient faire en permanence nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Mais il sait beaucoup moins bien gérer l'abondance. Et quand vous allez revenir à une situation d'alimentation normale, eh bien vous allez littéralement exploser. Pour lesquelles l'amincissement ne fonctionne pas toujours, c'est qu'on le fait tout seul ou toute seule. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que même si vous avez une volonté de faire, vous n'allez peut-être pas voir les premiers effets tout de suite. Il faudra peut-être plusieurs semaines. Et si vous êtes seul face à votre miroir dans votre salle de bain et que les effets tardent à venir, vous allez vraiment risquer de vous démotiver. Ensuite, le fait d'être accompagné par une amie ou par un ami ou par un coach va avoir un effet d'entraînement et d'émulation. Si vous le faites avec un ou une amie, vous pourrez vous entraider, vous pourrez comparer vos résultats,
en matière d'amincissement et surtout vous pourrez vous motiver mutuellement. Ou si l'un ou l'autre a un petit coup de mou, vous avez la possibilité de vous entraider. Si vous avez recours à un professionnel, vous vous sentirez quelque part un peu obligé de venir. Donc ça va vous pousser à le faire. Conseil qui est extrêmement important, ça, diminuer le stress. On sait depuis quelques années maintenant que le stress est un des facteurs de surpoids. Ça peut être le stress au travail, le stress dans les transports, dans la vie quotidienne par exemple. Alors ça se manifeste de deux manières. La première, c'est le fait que on va manger de manière désorganisée. Quand on est stressé, quand on a plein de choses à faire en même temps par exemple, on va avoir tendance à manger rapidement le midi, debout, une nourriture pas toujours très saine, et le soir pareil. Ensuite, ça va influencer la digestion, ça va influencer le transit et l'assimilation des nutriments. Sans compter que dans une nourriture grasse ou industrielle, ce qu'on appelle vulgairement la malbouffe, il y a beaucoup plus d'ingrédients qui risquent de vous faire prendre du poids que d'ingrédients qui risquent de vous en faire perdre. La seconde raison pour diminuer son stress quand on veut mincir est que le stress va pousser le corps à sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, qu'on appelle aussi l'hormone du stress. Eh bien, il est prouvé que cette hormone, qui est sécrétée normalement, régulièrement par le corps et qui est indispensable à son fonctionnement, eh bien, cette hormone l'est en excès en cas de stress chronique ou prolongé et que c'est un facteur de prise de poids. Maintenant, je vais vous donner un dernier conseil. Vous savez que les lipides, c'est-à-dire les graisses, sont une source d'énergie pour l'organisme. On en a besoin au même titre que les glucides, c'est-à-dire les sucres. Or, certaines graisses ont tendance à être stockées par l'organisme et d'autres sont utilisées immédiatement comme énergie. Le conseil, c'est donc dans votre alimentation de privilégier les graisses utilisées immédiatement par l'organisme au détriment de celles qui ont toutes les chances d'être stockés. Quand vous cuisinez, dans votre alimentation, évitez le beurre, les produits contenant de l'huile de palme, ne mangez pas le gras du bœuf, du porc, du mouton, etc. Car ce sont des acides gras saturés. L'organisme va les stocker au lieu de les utiliser comme énergie. Au contraire, préférez l'huile d'olive ou la graisse de canard, car ils contiennent des acides gras monoinsaturés qui vont être mieux utilisés par l'organisme et ont tendance à faire baisser la glycémie, ce qui diminue la sécrétion d'insuline et limite le stockage des graisses. Mais le mieux, ce sont les acides gras polyinsaturés, notamment les fameux oméga-3 que l'on trouve dans la graisse de poisson, dans l'huile de colza, dans l'huile de lin par exemple. Non seulement ils vont être systématiquement utilisés et pas stockés, mais en plus, ils vont stimuler ce qu'on appelle la lipolyse qui va entraîner un déstockage des graisses et faciliter l'amincissement. Mais bien entendu, il faut toujours consommer des graisses en quantité modérée. J'aimerais vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube Réflexologie Santé Naturelle. Pour cela, c'est très facile. Eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications. Comme ça, vous recevrez un petit message à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager. Je vous mets des liens dans la description pour aller voir les autres vidéos. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.